présente, José Sévérien, donc conseiller communautaire à la communauté d'agglomération Riviera du Levant. Je suis donc membre de la commission développement économique et touristique et également membre de la commission des sports de cette communauté. Je suis également le premier adjoint de la ville du Gosier. Bien, bon, en avançant ici, on arrive donc vers cet appontement donc, qui mène vers les destinations de l'îlet du Gosier qui est en face. Et nous avons à droite la plage de Lens-Tabarin, à gauche la plage de Lens de la Dacha et la plage de Lens-Cano. Et nous avons une vue splendide donc sur le petit cul-de-sac marin. C'est dire que nous sommes vraiment dans cette zone balnéaire, cette zone côtière et cette zone littorale du Gosier. Nous sommes ici à Lens-Tabarin qui était donc une plage particulièrement fréquentée avant que la Dacha ait son essor actuel. Lens-Tabarin était donc le lieu où les Pointe Trois et autres personnages de la Guadeloupe venaient se ressourcer, venaient en quelque sorte prendre des plaisirs de la mer ici, sous Lens-Tabarin.